Abonne-toi! Hop, c'est parti! Et salut à tous, c'est Ribosome, et du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2, avec cette fois-ci la chasse au puma légendaire. Donc, on va fabriquer la tenue, comment on appelle ça? La bête à proie, je crois que c'est ça, la bête de proie entière. Et salut chasseur-farmer, salut Lob31, salut à ceux qui sont là. Du coup, on va fabriquer la tenue entière. Il va falloir que je chasse le puma, deux sangliers et un taureau. Du coup, on va faire ça dans toute cette vidéo. Et on va passer en plein écran. Voilà. Et du coup, le chat est resté là, juste en bas, parce qu'apparemment, ça vous a plu. Et il faut juste que je passe à Armadillo, acheter quelques munitions et que je prenne aussi des trucs pour mon cheval. Donc ça, c'est un truc que j'avais jamais fait. Voilà. Petit saut de joie. Alors du coup, j'espère que tout le monde va bien. Et je pensais que le puma, du coup, je l'avais déjà chassé parce que j'avais fait une mission annexe. Bon, lui, je m'en fous de ce qu'il dit. Maintenant que j'ai fini le scénario, je m'en cogne! J'avais fait une mission en fait où j'avais été chassé ou libéré un mec ici là, à cet endroit. Et je pensais que c'était ça en fait le cougar légendaire, mais apparemment du coup il est pas là, apparemment il est par là là. Donc je sais à peu près où il est. Et on va aller faire ça du coup. Oui, je sauve des vies, vraisemblablement. Close thing. And in light of that, and the sad demise of this settlement, I am resigning my post. Déclin ce vide démission de mon poste. But the accoutrements of my profession remain in my desk. Ok. Content d'avoir pu filer un coup de main. Bon allez, du coup je vais acheter des ressources au magasin d'Armelio. Il court bizarre le John. Alors, où est-ce qu'il est le magasin? Il est fermé? Pourquoi? Vous ne pouvez pas accéder quoi? Qu'est-ce que ça me dit? Pourquoi donc? Je vais retenter. Bon, mais c'est des cons, voilà. Bon, on va faire ça, hein, au pire, mon cheval sera fatigué. Le choléra. Prenez garde au choléra! Bon, du coup, moi j'ai jamais été dans cette partie de map. Est-ce que le trajet va être un peu long? Ouais, un petit peu quand même. Bon, du coup, c'est pas grave. En attendant, je peux faire la promo de ce que je fais demain. Demain soir en live, on fera sans doute Dead Cells sur Nintendo Switch. Parce que j'adore Dead Cells et en ce moment, c'est vrai que je m'y suis remis sur la Switch et surtout sur Dead Cells et du coup Katana Zero. Donc demain, il y aura du live de Dead Cells. Voilà. J'essaierai de faire une run complète, tuer le boss de Feng. Je sais pas si vous connaissez. Bon, dans tous les cas, vous découvrirez demain si vous connaissez pas. Et du coup, on essaiera de faire une run complète. Et salut Lobless83, comment vas-tu depuis hier? Vu que tu viens d'arriver, on va chasser le puma, le cougar légendaire, et fabriquer la tenue entière, la tenue complète de la bête de proie. Du coup, il faudra que j'aille buter aussi deux sangliers et un taureau. Donc ce que je ferai après, c'est que je prendrai le train pour m'éviter des trajets à rallonge. N'hésitez pas à me dire si le son ça va ou si ça va pas, parce que du coup les réglages entre la Play 4 et la Switch sont pas les mêmes. C'est vrai que ça c'est assez chiant d'ailleurs. Faudrait que je m'enregistre des profils de stream spéciaux pour Play 4 et pour Nintendo Switch, que j'ai juste justement à faire un switch entre les deux à chaque fois. Je vais bien, merci. Merci pour la chasse. Eh bien écoute, avec plaisir.
Moi, Katana Zero, du coup, vu que t'étais là hier, l'OBS 83, je pense le faire maintenant hors ligne parce que c'était vraiment hardcore hein, comme jeu. Merci pour l'info, du coup. Où est-ce que je suis? D'accord. Je sais pas jusqu'où continue la map. Ouais, franchement, c'était hardcore. Mais ce jeu, je pensais pas qu'il était aussi dur en fait. J'étais naïf de croire que Katana Zero était un jeu facile. Mais du coup, en live, c'est pas top pour vous de me voir recommencer 50 fois le même niveau. C'est pas top. Magnifique ce Missouri! Salut à toi, Easy Storm. Je vais juste me baisser le son un peu du casque. Voilà. Sinon, je vais finir sourd comme un pot. Alors, j'ai aucune idée d'où je suis pour l'instant. Ok. Donc, faut que j'aille là, je crois. À peu près par là. Je suis sur Red Dead 2 en ligne. Salut à vous tous. Eh bien écoute, salut à toi. D'ailleurs, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que si j'ai le temps ce week-end, ou sinon mercredi soir prochain, je ferai mon premier live sur Red Dead Online, avec création du perso et début du online. Juste parce que du coup, bah, j'ai pas du tout tenté le online depuis que Red Dead est sorti. Donc ça va être cool de découvrir ça avec vous. Vous avez pénétré sur le territoire d'un animal légendaire. Mais l'activité y est trop importante pour que vous puissiez le traquer. C'est vrai qu'il y a énormément d'activités autour de moi là. Salut Johan! Comment vas-tu? Donc du coup voilà, préparez-vous à un live sur Red Dead Online avec création du perso, on pourra le faire dégueulasse si vous voulez. Peut-être une femme à moustache, ou un homme avec une moustache, je sais pas. Et alors du coup je peux pas chasser le cougar légendaire, à cause de l'activité qu'il y a autour. Mais qu'est-ce que je fais? À la limite je peux aller un peu plus loin, je vais dormir, et je reviendrai la nuit, je vais aller me mettre ouais par là, là à côté de cette maison. Alors je reprends également après avoir laissé tomber, il y a du mieux mais faut attendre encore, ok. Eh bien écoute, je découvrirai ça avec vous en live. Honnêtement il me tarde parce que en fait moi j'avais trop kiffé GTA V, GTA Online. J'aimerais voir ce que ça donne du coup. Pour ceux qui arrivent, on va faire, enfin pour ceux qui sont arrivés là, on va faire la tenue du cougar légendaire complète là pendant ce live. Et du coup, je vais essayer de le buter au tomahawk la nuit. Allez, je fais ça de nuit. Je suis un malade. Moi, j'ai fait tous les poissons et animaux légendaires. Et ben moi, écoute, il me reste deux du coup, Johan. Il me reste le puma, il me reste le bison Tatanka. Je terminerai d'ailleurs par le bison Tatanka, comme j'avais dit à la fin de la vidéo de l'antilope légendaire. Le montage le plus long de mon histoire, d'ailleurs, l'antilope légendaire. Alors, il fait beau. Le temps est bon, le ciel est bleu. Et vous inquiétez pas, je ferai une vidéo à part. Là, je vais sauvegarder à la fin, mais sur une autre sauvegarde. Je ferai une vidéo à part pour le cougar légendaire. Voilà, donc là... Il n'y a pas d'activité, vraisemblablement. Alors, je vais lâcher ça pour l'instant. Examiner le caca de puma. Alors, la piste va par là. Moi, j'ai pris que mes tomahawks. Je vais peut-être quand même me prendre un fusil au cas où. Ouais, je vais terminer les tenues aussi, ouais. Pas d'inquiétude, je vais prendre quoi? Je vais prendre la Lancaster, il y a assez de balles pour le flinguer si jamais avec 3 tomahawks ça suffit pas.
prochain indice, il est par là. Ouais, je me lance des défis sur les légendaires, parce qu'au final, si vous voulez, c'est pas dur, quoi, les légendaires. À la limite, il n'y a pas plus simple que de trouver un légendaire. C'est pour ça que j'essaie de rendre mes vidéos un peu vivantes quand je fais les animaux légendaires. Alors là, il y a énormément de pistes. L'indice, il est là-bas. Ok, j'ai vu. Donc, je vais m'équiper de mon tomahawk. Parce que je crois que c'est le dernier. Ouais, ça doit être le dernier indice. Ok. Ah, il est là-bas. À chaque fois, c'est une super production, man. Ouais. Hollywood m'a contacté pour que je leur fasse des documentaires. Je sais pas si je peux l'avoir discretos. Cougar légendaire. Le problème, c'est que là, la nuit, moi, j'y vois que dalle, là. Allez. Oh, oh, ça suffit. Un seul suffit. Dépecé. Alors, je peux récupérer mon tomahawk? Oui, en plus. C'était rapide. Je vais quand même le mettre sur ce terre-plein, là. Sur cette petite... sur ce petit truc plat, pour qu'on puisse l'observer. Juste voir à quoi il ressemble. Ok, donc il a les yeux qui brillent la nuit. D'accord. Bon, mais super. Et alors, mon encyclopédie, elle est mise à jour. Voyons voir, 66%. Ok, nickel. Alors, hop, on va le dépecer. Parfait, ça. Ça a été rapide, au final. Je pensais pas que ça suffirait un seul tomahawk, pour le coup. Ouais, non, il est pas blanc. Je pensais qu'il serait blanc, aussi. Bah, c'est comme le coyote, en fait. Le coyote légendaire, lui, il est noir. Et du coup, je vais regarder juste s'il est à 100%, c'est bon. Et s'il est affiché dans mon encyclopédie, il est là. Cougar légendaire, donc c'est parfait. Ça, c'est nickel. Qu'est-ce que je fais? Je vais appeler mon poney Thanos. Allez, viens là, Thanos. C'est pas tout de vouloir récupérer les pierres de l'infini, mais on a besoin de toi. Hop. Et je vais prendre la carcasse aussi. Comme ça, je pourrais tout vendre au trappeur. Donc du coup, je rappelle, pour la bête, la tenue, la bête à proie, là, il faut le loup légendaire, il faut des plumes de dinde, il faut deux peaux de sanglier et une peau de taureau. Voilà. Donc moi, il me manque juste les deux peaux de sanglier et peau de taureau. Du coup, on va se concentrer sur ça. Donc celui-là, il est plié. Là, je me souviens, dans Red Dead 1, il y a une ville, mais je sais pas s'il y a un train. Est-ce que vous pourriez me dire s'il y a un train... Là, peut-être, un bureau de poste. Bon, je vais aller voir ici. Comme ça, du coup, je pourrais aller à Rod direct. Non, même à Rig Station. Je vais aller à Rig Station pour faire les sangliers. Et ensuite, j'irai à Rod pour faire le taureau. Et on finira sur, du coup, soit Saint-Denis, soit le trappeur de Rig Station, au cas où je trouve qu'un seul sanglier au premier coup, pour fabriquer la tenue complète. Le gars qui a un plan dans sa tête. On va buter de l'animal, quoi qu'il arrive. Et apparemment, ouais, New Austin, moi je disais là dans mon dernier live que du coup c'était pas utile pour le scénar de Red Dead, que c'était idiot d'avoir mis New Austin si c'était pas utile et utilisé. Mais il y a des gens qui me disent du coup qu'il est bien utilisé en live et que du coup c'est bien qu'il y ait New Austin parce que quand on est online, ben, on a besoin de New Austin pour avoir plus de territoire. C'était quoi ce bruit là? C'est un...
C'est un Pécari, non? Fusil Springfield. Ouais, c'est ça. Pécari à collier. Je crois qu'il n'y a pas de sanglier à New Austin en plus. Bah, j'espère que je peux prendre le train ici. Salut Loulou 51. Tu viens de louper le meurtre du puma légendaire. Wouhou, c'est une gare. Payer prime, envoyer du courrier. Non. Salut Docteur Strange. Oh, trop cool. Avec le logo Marvel en plus. Énorme. Bon, je peux pas prendre le train ici. J'adore Docteur Strange comme personnage de Marvel. Salut King Julian. Bon, bah du coup la gare la plus proche elle est où? Là il y en a pas. Enfin on peut pas prendre le train. Ah mais oui je suis con parce qu'en gros on peut pas relier. Il n'y a pas de train qui relie là New Austin à Blackwater. Donc du coup je suis obligé d'aller là en poney. Eh ben heureusement que j'ai acheté un Foxtrot. Si, j'ai vu ton message Instagram qui parlait de, rappelle-moi, Viteuf, en plus tu m'as envoyé une photo avec, je me souviens pas. En diligence. En diligence, pourquoi pas, ouais, de toute façon je passe à Armadillo. Donc on va tenter. Là il y a un train. Mais de toute façon, même problème. Hein. Ils auront toujours pas construit de pont entre les deux. Ah oui, de tenue de chasseur, c'est ça, en online. Que elle pouvait coûter jusqu'à 300$ et qu'on pouvait fabriquer des super tenues. Et il y en a d'autres qui me disaient aussi dans les commentaires sur l'un des derniers lives que les animaux légendaires. Non, que les animaux classiques. Était pas forcément au même endroit en live que en online pardon que en solo. Tu peux aller à Tumbleweed aussi, mais Tumbleweed, est-ce qu'on peut prendre le train à Tumbleweed? Je crois pas. Hein. Bon c'est pas grave, au pire on va faire comme ça. Et est-ce que du coup Julian King, marrant j'avais une pote qui s'appelait exactement comme ça. Est-ce que du coup, les tenues en online, il y en a qui sont les mêmes que dans le solo? Et est-ce que, genre, il y a énormément de choix en online? Telle est ma question. Ouais, ben je prendrai la diligence à Armadillo du coup. Je sais pas si là, dans tous les viewers, vous jouez tous au online ou pas du tout. Mais en tout cas, ça sera du coup la prochaine vidéo. Et au final, le petit chat en dessous, là, je trouve ça pas mal. Je sais pas ce que ça rend, par contre, sur un téléphone portable quand on regarde. Il rajoute plein de trucs, ok. Bon là, ça commence à me chauffer du coup pour ce online. Alors, est-ce qu'on peut prendre une diligence à cet endroit? Ça doit être ça. C'est fermé. Alors non, alors, en fait en online les vêtements sont plus divers et mieux qu'en histoire, mais pour faire une tenue de chasseur, on doit tout acheter chez le mec des vêtements car on peut pas craft chez le trappeur, d'accord. D'accord, d'accord. Et du coup la diligence, c'est par là. Faire un trajet. Faut savoir actuellement que c'est la première fois
de tout le jeu que je prends la diligence. Alors, Rod, Valentine, Emerald Ranch, on va aller à Strawberry. On commence par Strawberry. Donc du coup, je sais pas du tout ce que ça fait de prendre la diligence. Je sais pas si mon cheval va suivre. Ça me ferait chier de revenir à pied chercher mon cheval ici. Mais le online, selon moi, est mieux. Ok. Mieux pour les tenues, j'imagine. La nouvelle mage online est vraiment bien. Et ouais, j'ai vu que Rockstar a fait un trailer, du coup, hier. Ils ont sorti un trailer. C'était hier, je crois, ouais. À 17h. Ils ont sorti un trailer pour expliquer ce qu'il y avait de nouveau dans le online. Et ça avait l'air sympatoche. Cool. En fait, les diligences, c'est archi cool. C'est vachement mieux que le train. Puisque là, en train, je peux pas y aller. À Strawberry, je suis obligé de m'arrêter à Rig Station. Ouais, je vais aller au trappeur d'abord de... Je vais aller à ce trappeur, du coup, pour vendre tout ça. Comme ça, ça va éviter que la peau pourrisse. Et comme ça, après, je dors. Et je vais buter du sanglier. C'est clair qu'ils sont mieux en online. Oui, ton cheval te suit. Heureusement qu'il m'a suivi, oui. Mais en fait, j'ai... Enfin... d'avoir pris le train pendant tout le jeu, du coup, depuis le 26 octobre 2018. Je me suis emmerdé pendant des mois, alors qu'il y avait la diligence qui était disponible pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps, il y avait le cocher qui était là, qui m'attendait, qui se demandait pourquoi cet homme prend le train. Pourquoi Ribozo me prend-il le train aussi souvent? Je vais juste checker, voir s'il y a un orignal ou pas. Il n'y en a pas. Et je suis dégoûté parce qu'au final, à la fin du chapitre 6, on perd tout. On perd tout ce qu'on a dans les sacoches. J'ai perdu tous mes oiseaux, tous mes rongeurs, toutes mes plumes, de tout pour tout. Horrible. Alors le principal problème du online, c'est que c'est presque du pay to win. Ils ont fait un système de pièces d'or. Alors je vais juste activer ça parce que sinon je vais me foutre dans le décor. Je vais plonger dans le lac Owanrila. Un système de pièces d'or qui sont super hard à avoir. Mais on peut payer pour en avoir plus. Je crois en tout cas, ça fait longtemps que j'y suis pas retourné. D'accord, ok. Bon bah écoute, je verrai ça. Je verrai ça au prochain live du coup. Online, j'ai vu que pendant l'été, il y allait avoir... choix entre chasseur de primes, vendeur, commerce et un explorateur, d'accord. Je crois qu'ils vont terminer, parce que j'ai regardé une vidéo là d'un gars qui s'appelle... Oh là là, oh là là, je crois que je meurs. Je vais essayer de le... Oh là là, et il est pas là? Si, il est là pourtant. M'en fous! La peau est chez le trappeur. C'est horrible, je viens de chasser le légendaire au Tomahawk et je me fais buter par un cougar normal. Au moins, on voit que mon spot de farm à cougar, il marche toujours. Rockstar a donné 15 lingots. Ouais, les trois catégories, ça a l'air chouette. Bon, du coup, j'ai perdu la carcasse, c'est pas grave. Mais bon, le reseller ou le trappeur le plus proche. Eh bien, c'était là que j'allais, oui, justement pour le leur vendre, mais j'aurais pas l'argent. J'aurais dû m'équiper de ça. Bâtard de cougar. Alors, gros bug. Alors, bah du coup vendre, je vais regarder, mais ça m'étonnerait que je l'ai. Tac, tac, tac. Non. Bah du coup, il l'a lui acheté.
Hop, je me planque. Alors, la bête de proie. Je comprends pas pourquoi ils ont appelé ça la bête de proie. Alors du coup, je peux fabriquer le chapeau, ça veut dire qu'il a la peau, donc ça c'est cool. Ça, je l'avais déjà fabriqué, c'était quoi, les jambières en loup légendaire? C'était quoi la recette? C'était une fourrure de loup légendaire et une peau de chèvre. Donc peau de chèvre, j'ai fait la vidéo, ça, il y a la vidéo aussi. La dinde, j'ai pas fait de vidéo, mais bon, les dindes, c'est assez facile à trouver. Sanglier taureau, c'est ce qui nous manque. Ok. Donc, on fera tout à la fin. Je vais dormir et aller buter du sanglier. Il faut que je trouve un spawn, un point de roupillage pour me foutre avec mon camp. Tiens, j'ai bugué là. Blablabla. Voilà. Alors, dormir. Les sangliers, ils apparaissent à minuit. Ça me fait me rendre compte que ma vidéo là, que j'ai faite, je crois que c'était la quatrième vidéo ou la deuxième. Sanglier et coyote. C'était n'importe quoi mes points de spawn. N'importe quoi, ça a changé, en plus y a plus rien. Alors que les sangliers sont là, et moi je crois que dans ma vidéo j'avais fait... Je les avais montrés à côté de Rod, il me semble, là. Par là, là. Enfin bon, il y a des coyotes, mais c'est vrai qu'il y a moins de sangliers que ce que... Il y avait au tout début, au tout départ. Les sangliers, ils sont là. Sur la rive. Je vais m'équiper de suite de mon fusil Springfield. Là, y en a. Crème-moi. Moi, c'est les sangliers qui m'intéressent, pas les loups. Là. Il est là. Ah non, c'est un loup. Du coup, les sangliers se sont barrés. Mais il y en a d'autres là-bas. Écureuil. La moufette. Hey. Alors sanglier 2 étoiles, sanglier 1 étoile, et il n'y a que 2 sangliers. Si, il y en a là. Non, ça c'est des dindes. Mais justement, t'es. Des dindes, il y en a besoin pour la tenue, mais j'ai déjà assez de plumes. Donc du coup, je vais contourner la rivière là. Je vais aller par là. Alors moi, j'ai jamais vu d'ours dans cette zone. Mais vraiment jamais. Sanglier 3 étoiles, t'es. Je sais pas ce que je tue. Sanglier 3 étoiles. Non, je l'ai foiré. Bon, j'en ai eu deux. Peut-être que l'autre, c'était aussi un 3 étoiles. Lui, ce qui est sûr, c'est que j'ai sa peau 3 étoiles. Quoi ? Qu'est-ce que c'est qui m'attaque? Quoi? Le sanglier qui est passé... Il est passé une étoile. What? Ouh, ça m'énerve.
c'est peut-être juste un bug pour celle-là, je vais quand même essayer de le dépecer. Mais il y a un truc qui m'a mordu le pied. Salut Rudy Romero. Bienvenue. Nous tentons de fabriquer la tenue, la bête de proie. Avec des peaux de merde. Et chier. Mais à quel moment t'as un serpent qui te... Ça c'est deux étoiles. Là-haut là, c'est quoi? J'ai pas vu où il était parti ce con. Ils sont au même endroit. Deux étoiles et lui, une étoile. C'est le Fashion Red Dead. Je déteste ces sangliers. Allez, marre. Bon, mais c'est les mêmes. Hein. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je vais essayer d'aller dormir un peu plus loin, du coup. Là, pas de bol. Putain, vraiment pas de bol. Non, mais il n'y en aura pas d'autres là, c'est pas possible. C'est quoi ça? Des coyotes, ok. Bon allez, je vais dormir. Qu'est-ce que je fais? Je vais dormir jusqu'au matin. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il a crié le mec. Je vais dormir ouais, jusqu'au matin ou jusqu'à midi. Je suis en train de faire un braquage online, c'est trop cool. Et du coup, King Julian, t'es en train de faire un braquage, mais tu fais un braquage tout seul ou... avec d'autres gars, des gens vrais, des gens réels. Je pense qu'on pouvait pas faire plus énervant comme truc pour aller chasser du sanglier là. Normalement, il y en a par là. Le jour. Le jour. Ça, c'est des wapitis. D'accord, ok. Ouais, je sais qu'il y en a dans le bayou, mais ça me fait galérer en fait d'aller dans le bayou là. Je voulais faire ça ici. Et là, il y a des wapitis. Ça, c'est quoi? Des dendes. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tenter. Je vais redormir jusqu'à minuit. Je vais re-aller voir côté rive. Et on va voir du coup. Dormir minuit 12h, voilà. Après je peux plus dormir. Et si je peux plus dormir, au pire j'irai faire comment dire le taureau et puis je reviendrai à Strawberry. Pour faire les sangliers du coup. Honnêtement, je sais même pas pourquoi j'ai mis un repère sur la carte.
Ouais. Bah écoute, il avait qu'à pas avoir des problèmes, ce gars. Je suis pas là pour aider tout le monde. Bah écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure là, Julian. Ce week-end, je ferai sans doute un live sur le online. Et si c'est pas ce week-end, ce sera mercredi soir prochain. Voilà. Avec création du perso et départ, voilà, le début du online. Voilà, toi, tu me saoules. Ça, c'est le sanglier de tout à l'heure. On va avancer, voir. Mais ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon. Couillotte. Alors, je vais prendre mes jumelles. L'oblesse qui fait un peu de com. Bon, pas de sanglier de ce côté-là. Ici, nous avons des dindes qui picorent au loin. Bon, bah écoutez, je vais aller faire un taureau. Et puis je reviendrai ici pour refaire des sangliers, du coup. Et à la limite, vu que le taureau, il est pas loin de Saint-Denis, je vais aller au bayou. Je vais faire taureau, bayou, et puis revenir à Strawberry si jamais il me manque une peau. Comme ça, au moins... Je mets toutes les chances de mon côté. Et pour ceux qui voient ça en VOD, je vais faire un petit montage pour vous éviter le trajet. Oh. Le truc que personne ne verra, du coup. T'es. Sanglier. Je monte. T'es. 3 étoiles. Ouh. Là, il y en a un autre. Non. J'ai des hallucinations. Je vois des sangliers en permanence. Plus qu'un. Ouais. C'est prévu, Julian King. C'est prévu. Mais pour faire ça, il faudra par contre que je fasse une vidéo, je pense, avant, pour prévenir les gens que s'ils veulent jouer avec moi online, eh ben, je sais pas comment ça va se passer. Enfin, je sais pas qui sera choisi, comment ça se passera. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un live, du coup, avec des abonnés. Un live online. Un on-live, on va appeler ça comme ça. J'ai pas la peau? Si, elle y est, ok. Ouf. Obélix sort de ce corps, ouais, c'est à peu près ça. Il est où? L'animal. Ça me flingue la voix, ça, à chaque fois. du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de passer... Je vais essayer de passer par là pour aller à Strawberry. Enfin, je vais faire ça. Ça. Jusqu'à la diligence. Pour voir s'il n'y a pas des sangliers dans cette forêt. Je vais m'équiper instantanément de mon fusil Springfield. Instant, mesdames et messieurs, pas de sanglier. Un unique wapiti mâle à la recherche d'une femelle, pour un accouplement digne de ce nom. Moi aussi, il est trop cool. L'intronisation et l'accent. Je pleure de rire à chaque fois. Mais écoute, tant mieux. Bon, pas de sanglier, là. Allez, taureau. On va aller buter du taureau.
J'y vais en train du coup, puisque la diligence est fermée. Oui, oui. Je sais pas ce que c'est, j'arrive à reconnaître, je dirais, 85% de tous les animaux du jeu, rien qu'au son. Mais là, ce oui, je sais pas ce que c'était. Salut Milka. Milka qui m'a calé la blague la mieux du monde. Grâce à toi, j'ai pu fabriquer mon tapis. Alors, Rick Station, c'est où d'ailleurs? C'est pas loin, je crois, c'est là. C'est là. Mais je te parlais pas d'ailleurs. Allez au diable, calme-toi. Non, j'aime pas moi faire les... ça me saoule de faire les petites missions secondaires sur le côté là. Et je trouve qu'avec John, mais il y en a des kilos quoi. Voilà, bah, deux d'affilée. T'es. Non, ça c'est un porc. Qu'est-ce que c'est? Et surtout, où est-ce que c'est? C'est ça, non? Ça a l'air d'être ça. Renard. Non. À moins que ce soit un renard qui fasse des bruits de sanglier. Opossum. Ah mais oui, c'était un opossum. Autant pour moi. Encore un gars qui a besoin d'aide. Ils sont nuls, ouais. Ils ont pas l'air aidés, les gars, là. Alors, billet de train. Et on va à... à Rhodes. Oui, c'est ça. On va à Rhodes. Je réponds juste à un message, désolé. Voilà. Bon, pour le taureau, ça va être simple, du coup. Ça va être très rapide. Et bah, du coup, on ira... Est-ce qu'on va voir dans le bayou s'il y a des sangliers, la nuit? Sortie de son contexte, cette phrase, elle est folle, quoi. Est-ce qu'on va voir la nuit si dans le bayou, il y a des sangliers? Allez le train, avance. Allez, donc, direction la ferme pour aller tuer un taureau pendant la nuit. Je crois que si je vois un sanglier danser nu autour d'un feu la nuit dans le bayou, je sais pas, je vends ma play, je crois. Ça me ferait rire. Alors, le gars qui a des taureaux, il est... De toute façon, je suis obligé de passer par le bayou, donc ça, c'est cool. Le gars qui a des taureaux, il est là. Et salut Milka, bienvenue à toi. Bienvenue sur la chaîne. Et merci pour ton abonnement. Ah ouais, putain, X Coco, oui, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Actuellement, nous sommes en train d'essayer de fabriquer la tenue... la bête de proie. J'ai du mal, désolé avec ce nom, mais... Je sais pas, pour moi, les mots dans cet ordre sont pas alignés. La bête de proie. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Tranquille, eh bien écoute, moi aussi tranquille. J'avance, peu à peu, et un de plus, ouais. N'oubliez pas d'activer la cloche si jamais vous voulez être prévenu en temps réel des vidéos qui sortent, et des lives, surtout des lives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce jeu, il m'aura duré un moment. King Julien, ah oui, Eribo a online tous les 5 ou 10 rangs.
En gagnant de l'XP, le jeu nous donne une carte au trésor. Il faut aller la chercher à la poste et on gagne jusqu'à 200$ quand on trouve le coffre. Ah, ça c'est cool. De toute façon, je pense qu'ils vont tout faire petit à petit pour... Attends, il y a un sanglier. Ils vont tout faire petit à petit pour nous tenir en haleine et nous garder sur le online, justement, toute la vie, tout le temps. Donc là, il y a une 2 étoiles. Merde, ils sont où, ces cons? Est-ce qu'il y a une 3 étoiles? Celui-là, il était bien portant, pourtant. 2 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. C'est ça, c'est rare, là. C'est des spatules rosées. Bon... Écoutez, on ira voir au retour. Sortir de l'eau. J'ai oublié qu'il y avait des caïmans. Cool pour nous. Cool pour vous. En effet. Par rapport à Red Dead, je pense que c'était de ça dont tu parlais. Il faudrait aussi que tu essayes de faire les poissons légendaires. Et écoute, oui, Rudy Romero. J'ai fait du coup le premier... Et j'ai fait le saumon rouge légendaire. Mais en fait, j'aurais voulu terminer d'abord les animaux, ceux-là, là, le puma légendaire et compagnie, là, les animaux légendaires classiques. Et après m'attaquer à tous les poissons. Donc en gros, ça va arriver vite, puisque là, le prochain, c'est le puma légendaire en vidéo qui sort sur la chaîne. Après, ce sera Bison Tatanka, j'aurai terminé. Et du coup, il me restera que les poissons légendaires. Et les animaux normaux, on va dire. Ouais, t'as raison, et aussi mon pseudo, c'est mon perso préféré. Alors attends, j'essaye de tenir la route. Je vais faire ça. La pop culture de Madagascar, le film, c'est le Lémurien. Ah mais oui, le Lémurien, il est extraordinaire. Mais d'ailleurs, tu l'as en photo de profil. I like to move it, move it. Est-ce que je dors pour les taureaux? Non, je veux pas dormir. Les poissons, je les ai fait. Franchement, c'est facile et fun. Mais écoute, moi, je savais pas qu'on pouvait lâcher L2 quand on pêchait les poissons. Les gars qui m'ont dit ça en commentaire, franchement, ça m'a bien aidé du coup pour ce que j'ai fait hors caméra. Alors non, je vais pas prendre mon fusil. Taureau Angus. Donc lui, on va se le faire. Je prends mon lasso et on le terrorise. Voilà. Tu es terrorisé. Sois plus terrorisé. Non, faut que tu sortes. Voilà. Sors. Et il faut que t'ailles de l'autre côté. Oh, merci X Coco pour ce don. Pour le retour. Eh bien écoute, bon retour à toi. Quelle cruauté. Mais moi, en fait, le problème, c'est que je veux pas qu'il aille dans les champs à côté des autres fermiers. C'est je veux qu'il s'éloigne pour le tuer discrètement et lui faire mal. À coups de couteau. Écoutez, moi ça me paraît bon là. Ah, le plan est génial. Hein. On serait... Non ! Merde, il s'est barré le con. Et lui là, qui se taille. Thanos le froussard. Bon là, il s'est bien éloigné au final. Hein. Voilà, rond, tué. Oh. C'est parfait. Donc j'ai ma peau de taureau 3 étoiles. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que... Il y a plusieurs taureaux différents. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a longtemps où est-ce qu'on trouve tel taureau. Et je me souviens pas de quelle race c'était. Chargé. Donc voilà. Parfait. Ça c'est parfait. Je teste un truc.
ça marche pas. Ça marche qu'avec les vaches. Ah, salut Quinty, Quinty Cocotti. Comment ça va? Pour ceux qui arrivent, du coup, pour toi en fait, Quinty Cocotti, on est en train d'essayer de fabriquer la tenue La Bête de Proie. Avec du coup cougar légendaire, taureau, sanglier. Il me semble que j'ai entendu un sanglier là, actuellement. Donc je vais quand même checker. Oui, oui, si c'est ça, je suis verni. Non, 2 étoiles. T'es les boules. Alors, je refais le chemin inverse vers Rod. Je pourrais peut-être croiser un autre sanglier du coup. Et dans tous les cas, on se dirige à, comment ça s'appelle, à Strawberry. Voilà. Et il faut pas que je meure. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est une petite save de sécurité. Sauvegarder. Et je vais pas sauvegarder sur ça, je vais sauvegarder sur les pères de l'Amérique 2. Voilà. L'emplacement sélectionné contient la sauvegarde machin, oui. Voilà, comme ça au moins j'aurais pas à refaire ça si jamais. Lis mon commentaire, Ribo. Ah oui, et aussi, quand un joueur nous tue... Ah, attends. On peut porter plainte, je sais pas, machin, si c'est comme ça. Et il aura une prime sur son dos, ok. Oui, alors ça j'ai vu, parce que c'est au début, en fait, au tout début du online, j'ai vu qu'il y avait des gars qui, enfin comme moi, genre je me connecte au online, salut, hop hop hop, je suis online, et je me fais défoncer par tous les mecs qui sont là. Et apparemment ils ont trouvé ça comme système pour régler le souci. D'après ce que j'ai pu comprendre. Je sais pas, XX Coco. J'aimerais stream jusqu'à la fin de la tenue. Donc, je sais pas trop. Quand j'aurai fini la tenue, puis après, on peut, à la limite, on pourra se balader ou, je sais pas, tuer des mecs à la dynamite. On désactive la sauvegarde auto. J'explose tout le monde dans une ville. Et voilà. Et après, je ne sais pas. T'as vu, je suis renseigné quand même. Du coup, Julian. Bon, apparemment pas de sanglier dans le bayou. Je fais juste un check rapide comme ça. Je suis triste. Ah ouais, le free killer se prend des primes sur le dos, ok. Bah tant mieux, parce que ça peut me plaire. Est-ce qu'on peut passer invisible comme dans GTA V ou pas? Qu'est-ce que c'est ça? De loin, la silhouette, on dirait un orignal. Ah, pas du tout. De toute façon, si je vois un orignal dans le bayou, je crois que je... C'est pas. Après, on les fait sauter comme des kangourous, les gens de Van Horn, please. Ok, ouais, on ira à Van Horn, alors. Aussi, je suis dégoûté, la magnifique selle en panthère est débloquable au rang 97. Donc cette selle là, c'est celle que j'ai actuellement. C'est vache quand même. Et pareil, il y a d'autres selles du coup en online. Red Dead Online est officiellement prêt. Bien. D'accord, tu peux pas devenir invisible. Alors la gare elle est là. Ouf, j'ai failli renverser ce chien. Qui m'aurait valu une baston générale dans cette ville. Donc, on va à Rig Station. C'est parti. Hello. Hello. Billet de train. Et gare de Riggs, c'est ça. C'est parti. Bon, il me tarde de l'avoir cette tenue. Mais je l'ai même pas regardé au final. J'ai regardé ce qu'il fallait faire, mais j'ai, enfin ce qu'il fallait buter, mais j'ai pas regardé la tenue en elle-même. Eh ben XX Coco, merci. Deuxième du coup. Merci à toi.
Alors, à online, il y a toutes les celles du mode histoire, même celles du Trapper, et aussi les deux pur sang sont rang 67 et le Missouri Fox au rang 58. D'accord. Salut RD Mistral. Il y a un animal très rare dans le New Austin, apparemment, c'est une dinde Rio Grande. Il faudrait que tu fasses une vidéo tuto. Il est où l'animal? Eh bien écoute, moi ça me chauffe de faire des vidéos sur les dindes en plus. Tout ce qui est animaux un peu rigolo, type pigeon, dinde, rat musqué encore. Un rat musqué, il est pas très rigolo de base. Si vous voulez, dans ma tête, je trouve que certains animaux sont drôles de base, comme le pigeon. C'est pour ça que je trouvais marrant de faire une vidéo sur la conquête spatiale par rapport aux pigeons. D'ailleurs, si vous aviez pas vu, j'avais fait en fait pour Astronir, au lieu de Strawberry, je dis Astronir. Astronir, j'avais fait un truc 10 conseils avant de partir dans l'espace, et j'avais fait du coup sur le thème de Seul sur Mars, que j'ai repris pour le pigeon. Voilà. C'était un recyclage perpétuel. Mais écoute, merci, Coco. XX Coco. Il y a les faisans et les cailles aussi. J'ai fait une vidéo sur les faisans et les cailles. Elle s'appelle d'ailleurs Faisan. Red Dead Redemption 2. Salut à ceux qui arrivent. Je pense que vous avez fini de manger. Vous êtes en train peut-être. Régalez-vous si vous mangez. Même que tu me passes ton PSN ou pas. Alors, pour le PSN, je pense que, comme on disait tout à l'heure, on va faire. Je ferai une vidéo sur le online de Red Dead avec des abonnés. Il faut que je prépare tout ça, que je sache à peu près comment pondre le truc du coup. Et donc, il y aura un échange à ce moment-là. Mais il faut que je le prévoie bien en fait. Voilà. La carapace à tatou, en un seul mot. La tato carapace. Moi au Canada, il est 14h45. Et écoute, Johan, bonjour au Canada. J'ai vu dans mes stats que j'avais pas mal de Canadiens. Et du coup, ouais, je trouve ça chouette. Je trouve ça marrant. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des Canadiens. Il y a des Canadiens, des Belges, Martinique. Et France, bien sûr, principalement France, du coup. Ouais, les opossums, Julian, ils font semblant de mourir. Putain, ils sont surchauds, ces gars-là. Voilà. Encore un type, il est sérieux. Là, ils sont relous, hein. Mais je sais pas ce qui se passe avec John, j'ai l'impression que tous les 10 mètres, j'ai une mission annexe à faire. Maintenant, je vais tendre l'oreille, essayer d'entendre les sangliers me percer les tympans. Réaliser son trucage. Je suis pas mal pour imiter les animaux, en fait. À mon boulot, j'essaie de leur expliquer pourquoi je chasse des animaux. Et du coup, bah voilà, ils rigolent. Hein. Ils rigolent bien. John Charlie Wick. Perso, pour les animaux légendaires, je prends le cadavre et la peau. Je les vends séparément. C'est bien plus rentable. Et je sais, je l'ai fait quelques fois. Mais, et ben là, écoute, tout à l'heure, par exemple, je suis mort. Je suis mort juste avant d'aller lui vendre la peau. Et la carcasse. J'ai eu un gros bug de parole. La carcasse. Je viens de finir la liste des animaux de Mademoiselle Hobbs et j'ai obtenu le fameux écureuil empaillé. Il est superbe. Ironie. Ouais, ça a l'air chouette. Toute ma vie, j'aimerais être payé un écureuil empaillé. Alors. Le trappeur, il est là. Je vais lui vendre les peaux, comme ça moi je suis secure. J'ai le taureau et le sanglier de fée. Et comme ça, il me restera qu'un seul sanglier pour finir la tenue
la bête de proie. Et je bug encore. Ça, c'est des mouflons. Il y a un trophée avec l'écureuil empaillé. Ça, ça m'intéresse, par contre. Le cri GG, il était magnifique. Superbe cri. Alors, acheter. C'était pas ça. C'était vendre. Voilà, vendre. Et du coup, on a la peau de taureau en parfait état. Et... la peau de sanglier en parfait état. Donc, plus qu'une seule peau. Et on aura la tenue complète. Faut le poser dans le range de John et il disparaît, ok. Alors, je vais m'éloigner, dormir jusqu'à minuit, et on va refaire le même chemin du coup. Des oiseaux rares, roses sur son cheval. Tout vendu, je me suis fait 100$. Ah ouais, tu peux piquer les oiseaux des légendes du coup. Ça c'est pas mal aussi. Minuit, allez minuit. Il faut le retrouver 5 fois de suite et le trophée sera débloqué. Ok. Il y a vraiment quand même du contenu dans ce jeu, c'est abusé. Tout ce qu'il y a à faire. Le temps qu'on peut y passer. Le temps que j'ai passé dessus. Il faudra que je regarde combien de temps j'ai passé sur le jeu d'ailleurs. Ça, ça m'intéresse. C'est les statistiques. Allez. Donc je m'équipe de mon fusil Springfield, et non fusil de Springfield, comme m'avait dit un hater, qui m'avait dit, on dit fusil Springfield et pas fusil de Springfield, gros débile. Voilà. N'aie pas peur Thanos, n'aie pas peur. Allez là, crève. Mais merde, ces loups. On peut pas vivre avec eux. D'accord, ok. Y a pas d'oiseau légendaire, et non. Non, y a pas d'oiseau légendaire. Ouais, c'est ça, rien que pour la chasse, c'est... Ça te prend un temps. Moi, je crois qu'au total, là, vous avez dû voir d'ailleurs dans mon post là, que j'avais fait pour les 6 mois de la chaîne, j'ai fait 60 animaux. Et ça fait 6 mois que je suis dessus. Par contre, c'est vrai que j'ai un travail, donc je peux pas me mettre à plein temps sur les vidéos, quoi. Alors, on avance. On est peinard, en bord de rive, et on cherche le sanglier. Qu'est-ce que c'est là-bas? Des cadavres. C'est les cadavres de tout à l'heure. De sanglier. Ça, c'est un rat musqué. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Je vais passer par en bas. De toute façon, je devrais entendre le cri. Avec la chasse, j'ai au moins 100 heures, c'est trop bien. Putain, c'est vide! Je vais essayer de passer vers en haut, voir. On sait jamais. Là, il y a des loups. Oh non, coyotes, pardon. Voilà, c'est gratuit, là. Où est-ce que je vais?
Je vais essayer de faire un petit tour par là-bas. Tête. Ouh. Là. 2 étoiles. Non. Relou. Il est tout seul? T'as pas des potes? T'as bien des petits potes quand même. Ouais, je charge des sangliers, Maxime G. Je cherche un sanglier 3 étoiles en fait. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans la zone, mais du coup, en fait, vu que j'en ai buté 2 tout à l'heure, eh ben, il y en a moins. C'est toujours 2 étoiles, et ouais. Amène-moi à tes copains. Allez, amène-moi à tes copains, je te suis. On va se faire un super truc. Et alors, au trappeur de West Elizabeth, j'y suis. En fait, j'y étais tout à l'heure, peut-être à côté du trappeur, c'est vrai que j'en ai entendu parfois. Je vais aller voir. De toute façon, dans cette zone, je suis sûr d'en voir normalement. Hein. Donc ça, c'est le cougar que j'ai buté tout à l'heure. Ça, c'est les loups. Là, il y a des wapitis. Je me souviens pas du chemin. Voilà, il est là. T'es. Ça, c'est quoi? C'est des loups. Coyotes. T'es. On ne saura jamais. On saura jamais si c'était une 3 étoiles ou pas. Ça c'est un coyote. Lièvre. Renard. Putain, il y a tout sauf des sangliers 3 étoiles. Pas de chance, aucun 3 étoiles, ouais. Salut King Julian, merci d'être venu. A plus. Un renard. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais redormir. On va faire respawn. Ah, des cris. Des cris stridents. Allez là, quand même. Je crois que c'est un 3 étoiles celui-là. Là. Donc ça c'est un 2 étoiles. Ça c'est un 3 étoiles. Alors je vais pas le louper celui-là. Voilà. Dans la moelle épinière. Ah ! On peut la fabriquer. C'est cool. 30 minutes que tu cherches et aucune 3 étoiles. Ouais, non, mais c'est la vie est dure. Hein. La vie de chasseur, elle est compliquée. Alors, Ars Linox, ce que je disais, c'est que justement, je n'ai jamais joué au online. Et maintenant que j'ai fini le scénario de Red Dead classique, enfin le scénario du jeu, je vais m'attaquer au online en live. Voilà. Donc, je pense que soit ce week-end, soit mercredi prochain, il y aura un live qui se concentrera du coup sur le online. Avec du coup création du perso, le départ. Ce sera pas trop long, pas trop chiant parce que je sais que c'est scénarisé au départ. Du coup, bah, j'essaierai de faire 1 heure à peu près. Et ensuite, j'essaierai donc de faire une vidéo avec des abonnés où on pourra du coup faire une sorte de clan en live tous ensemble et qui sera du coup retransmis sur la chaîne en VOD et en live. Voilà. Voilà, et maintenant il y a des sangliers partout. Il y en a partout, allez. Bon, gaucher le trappeur. Je vois la lumière là-haut. Des dindes. Ah ouais, toi t'as carrément commencé direct par le online. Chaud. Moi, en même temps, tu me diras, moi, quand je jouais à Call of à l'époque, Call of Duty Modern Warfare 4,
Modern Warfare 2 et c'est tout. Je vais juste checker, voir ce que c'est. Une étoile, ok. Une étoile, bon, je m'en fous du coup. Je faisais que le online à l'époque. Alors, vendre. On va enfin pouvoir faire cette tenue. Peau de sanglier. Parfait état. C'est nickel. Et donc, acheter. Je vais me cacher du coup. Alors, ensemble de vêtements. Trophée de chasse, non. Nous, on est sur le... La bête de proie, voilà. La bête de proie. Elle est quand même cool. Et le soleil se lève. Donc normalement, je peux tout fabriquer. Oui, c'est bon. Peau de cougar légendaire et plume de dinde. Donc ça, c'est fait. On achète. Gilet en cougar et loup légendaire avec cougar et loup légendaire. Étonnant. Bottes enfilées en taureau. Effilées, pardon. Ok. C'était pas drôle. Je m'en vais. Sanglier et taureau. Donc ça, c'est ce pourquoi on s'est fait chier. Et là, pareil, cougar et sanglier. Donc ça, c'est les gants. Ils sont stylés. Franchement, ils sont trop cool. Les gants sont beaux. Ça donne envie de conduire une Mazda MYX5 coupé cabriolet. Et franchement, je suis entre le... Je sais pas, le Texan. Et je sais pas, on dirait un épouvantail avec ce chapeau un peu. Mais il est bien le chapeau, il ressemble un peu au chapeau du mouflon légendaire. Ah, je suis content. Je suis content, belle tenue, comment faire pour la montrer mieux? Parce qu'on voit mes gants. C'est quand même pas flagrant, mais là voilà. Ah, elle est cool. Mais écoutez, je suis content. Voilà. Salut maître chasseur. Salut Lakshmi 2904. Comment vas-tu? Bah écoute, t'arrives à la fin parce que je viens de finir de fabriquer la tenue, la bête de proie. Je me suis fait chier, hein. Franchement, j'ai tué donc le cougar légendaire au Tomahawk. J'ai ensuite cherché des sangliers à Strawberry, j'ai pu en trouver qu'un seul. Après taureau, tué au couteau à côté de Saint-Denis, je suis revenu ici et voilà la tenue. Donc il aurait fallu en fait des dindes, des plumes de dindes en plus. Mais vu que je les avais déjà, c'était cool. Et après donc il faut loup légendaire et le dernier truc c'est une peau de chèvre. Voilà. Mais franchement la tenue elle est super cool. Mais est-ce que j'ai mis le gilet? Est-ce que j'ai mis le bon gilet? Faut que je vérifie. Il faut que je vérifie. C'était ça. Voilà. Eh oui, j'ai pas tout mis. Voilà, là j'ai tout. J'ai les jambières avec. Cool. Écoutez, elle est top. Je la garde. Je valide. Ouais. Maintenant on va à Van Horn. On va aller... On va aller buter les habitants de Van Horn. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va le faire hors ligne. Donc du coup, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Tous ceux qui sont en live, vous pouvez rester là. On va aller donc faire un génocide à Vinehorn. Et n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos si jamais vous les avez pas vues. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu en temps réel des notifications de sortie de vidéos et de live. Voilà, moi je vous dis à bientôt et allez, salut, ciao, ciao. Abonne-toi !